bonjour et bienvenue dans les chaînes du destin. Aujourd'hui, 4 joueurs, traumatisés, torturés, au bout de leur vie, planqués dans un trou, barricadés, ils vont essayer de survivre. Nous sommes dans l'univers de Warhammer, on fait du D&D homebrew, on est là pour vous, on vous fait des bisous, on est en live. Le live a d'ailleurs fait un vote très important, il n'y avait pas de sortie dans l'endroit où ils se sont planqués. Où est-ce qu'on s'était arrêté hein? Bah, c'est très simple, Yildiril a tué 2 démons à lui seul, plus ou moins. Valoriel a invoqué 4 démons et un démon majeur à lui seul. En fait, la liste des hauts faits. Franks, il a récupéré sa... Sigmund, t'as laissé ta tête sur le sol ou pas, du coup? J'ai juste récupéré la couronne et remis sur la tête. Ok. Donc, il y a une tête de Sigmund qui se balade encore en plus à côté. J'espère qu'elle se balade pas, qu'elle reste sur place. Hein. Ça, faut aller jeter un oeil. Hein. Et Franks, toi, t'es très souvent celui qui sort, j'ai envie de dire, le mieux, malgré les blessures que vous avez enchaînées mentalement, tu es très souvent celui qui s'en sort le mieux. On a un Patreon, on a un Tipeee, on vient de faire des trucs incroyables, le combat a été dantesque, ouais. Ils ont failli y passer, j'aurais pu réussir à les capturer, pendant un moment j'en avais 3 au sol, j'y étais presque. C'était pas la fin de l'aventure, non. On n'était pas loin. Le chat a fait un choix d'être gentil au dernier épisode. Donc on va essayer d'aider ça. Mais avant, on va remercier les Patreons. Cette ode est au 12 ou 14 jets sur les blessures critiques de Porte de la Mort qu'ils ont enchaînées. Et tout ça, on le doit à vous, nos Patreons. Donc nous remercions Valentin Vinterreg, Doty Soutra, Loïc Leba, Joachim Meyer, John. On vous fait des bisous. C'est grâce à vous que j'ai pu les tuer autant de fois. Gaël Roth, Melissa, Steph Vanou, des bisous. Guillaume Gancal, Quentin, Pierre Coguer, on vous aime. On fait ça pour vous. Je crois que j'ai rien oublié. On a un Discord. Il y a un flot de mèmes qui vient d'arriver en 15 minutes. Pour ceux qui sont encore sur le live, pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à aller jeter un œil. C'est incroyable. Ça vend du rêve. Et puis, on va reprendre là. Des hurlements. Des cris, des bêlements autour de vous. Ils échoent. Un combat pendant une heure et demie. Des choses qui meurent, du sang qui se répand en abondance. Vous entendez un bruit de pluie. Puis pour finir, le sol se met à trembler. Comme s'il y avait un bombardement. Mais non, c'est la hache du buveur de sang qui essaie de venir vous chercher. Vous êtes barricadé, seul dans le noir. Un petit trou, une faible lueur. Tu éteins ta torche ou pas, Sigmund? Si je suis dans le noir complet, ça ne va pas bien le faire. J'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie. Tu travailles pour économiser ta torche. Valoriel, Franks, vous vous réveillez. Hein. Vous voyez hein, toutes les constructions qu'ils ont essayé de faire. Vous les rassemez ou pas? Alors, Franks, peut-être pas. Valoriel, oui. Ok. Valoriel, tu te relèves. Tu te réécroules. D'accord. Et les gars... Clairement, ils ont décidé que tu ne te relèverais pas pour la suite des événements. D'accord. Franks, toi, tu te relèves péniblement. Ta haine bout en toi, mais tu te contiens. Si il ne se contient pas, on le rassemble. Oui. Ça va, il n'y a pas de D-E-M-O-N-S dans les alentours. Donc, ça va. On peut le dire, c'est bon, il a sauvé. Non, faut pas le dire. Ça va réveiller. Non. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Faut pas aller. C'est bon pour lui aussi, hein, pour faire rien. Non, toi t'es spécial starbé. D'accord, ouais. Lui, ça va encore. D'accord. Du coup, on fait quoi? Ah, c'est pour lui? C'est pour lui, hein, que le mot démon, faut même plus le dire. Yildiril, on fait quoi maintenant? On attend 3 jours que Gulu vienne nous sauver. J'espère que ma torche durera jusque-là. Elle durera pas, Sigmund. Obamo, t'en as encore pour une heure. Elle tiendra! Vous savez, vous pensez aussi que votre foi allait tenir, finalement, non. Je savais avec un peu de morale. Tiens, tu me donnes donne-moi ça, c'est ta dague, super, tiens, regarde. Tu l'as pas vu venir, celle-là. Qu'est-ce qu'il a, mon foie? J'ai pas bu trop d'alcool, pourtant. Je parle d'une autre foi. Sigmar ne répond plus, Sigmund. Il est censé l'aider. Je sens qu'il y a quelqu'un d'autre qui va se faire semer. Non mais après 2 mois de campagne ensemble, c'était assez toi, ça normal, va, on est d'accord. Câble, hein. Okay. Oui, mais c'est vraiment mal. Tu cherches des vivres
Ouais, il y a des morceaux d'hommes bêtes. Ouais, voilà. Des vers de terre. Ouais. Quand je parlais de cannibalisme avant, je pensais pas qu'on avait si vite y arriver. Alors, c'est pas du cannibalisme, hein, c'est de l'homme bête. Enfin, c'était de l'humain, mais ça l'est plus. On n'a jamais fait de jeûne, les gens. On est des vivres, de toute façon. Ouais, ouais, mais là, vous avez pas des vivres éternels non plus. Oui, mais on peut les répartir sur les 3 jours, ça devrait suffire. J'ai poison de poison. Ah, la viande, la nourriture, ouais. L'eau, peut-être pas. Non, l'eau, non, on va pas assez, ça c'est sûr. D'ailleurs, si on est vraiment RP, vu que je t'ai vaporisé et que toi aussi, les vivres, tu peux te les mettre, voilà. Les habits aussi. Les habits aussi. Mais on va être gentil, on va laisser les habits pour gentillesse de ce scénario. Mais je pense que non, en vivre, vous allez en manquer aussi. Bon, tu dis qu'il pleut. Oui. Bon, c'est bien, au moins on va s'infiltrer et on pourra récupérer un peu d'eau qui va s'infiltrer dans notre grotte. Ouais. Grotte, trou dans la terre. Tant que c'est pas une pluie de sang, ça va. Alors, ça aura très certainement un petit goût métallique, mais au moins ça aura été filtré un peu par les substrats qui seront dessus et elle sera à peu près potable. Au moins, c'est de l'eau. Si on chope la diarrhée, on vit dans une merde sans nom. Si, elle a un nom, c'est la diarrhée. Ouais. Voilà, on en est là. Allez, c'est bienvenue dans la chaîne du destin. Moi aussi, je vous aime. Bon, et je propose qu'on fasse l'inventaire de ce qu'on a, en eau et de ce qu'on a en ivre. Donc seulement Yaldril et Segmou dans ce qui restait. Parce que par contre, j'ai pas compris pourquoi Valoriel était toujours dans les pommes. Je sais pas. C'est Segmou. Segmou a décidé, n'essayez pas de comprendre. Je ne voulais pas qu'il fasse encore de la merde, c'est tout. Juste ça. Peut-être. Un peu plus tard, mais pas maintenant. Ouais, pas de problème. Juste pas maintenant. Puis comme ça, il pleure pas s'il a faim. Il parle pas. Ouais, ouais, non, mais c'est un bon choix. Oui, à un moment, vous allez lui faire une... Enfin, il va finir avec un trauma cérébral. Hein. Déjà qu'il est pas bien gentil et pas bien intelligent. Comment ça, pas bien intelligent? Par contre, vous pouvez l'attacher, peut-être... Enfin, essayer de l'attacher et puis le baïonner quelque part. Ouais. Alors, vous remarquez qu'il lui manque un bras aussi. Aussi, ouais. Du coup... Ça vous fait... vous me faites tous un petit jet d'intelligence. Je veux savoir qui tique que... Qui manque un bras. Ouais. Non, mais surtout que il lui manque un bras, quoi. Ouais, que on n'est pas... Pas invincible du tout. Parce que jusqu'à là, c'est des petites blessures, mais enfin là, il manque un bras. Des 20 sur un des 20, ouais. Sagesse ou intelligence? Jet de sauvegarde d'intelligence. 17. 14. Ok. Ouais, c'est bon. Vous tenez bon. Vous saviez que la vie, de toute manière, c'est de la merde et que... Bah, bon. Vous êtes destiné à mourir, quoi. Il va falloir lui trouver un bras de rechange. Moi, ça me change pas plus que ça, hein, je veux dire. Je t'avais dit qu'il restait des morceaux d'homme bête. On verra. Tu sais recoudre, moi pas. Voilà. Toujours ce bruit intempestant. Jamais il se calme, jamais il s'arrête. Mais ce qui fait que lui, il est toujours en piteux état. Lui? Non. Globalement, je suis full. Globalement, il est full. Mais, et puis, globalement, ouais, j'ai même pas réalisé qu'il manque un bras parce que dès que je me réveille, on m'assomme. Non, mais au bout d'un moment, c'est bon. Je vais te laisser. Donc, qui c'est qui est le plus en mauvais état? Si jamais j'ai lancé un petit vote du live, enfin, la régie a lancé un petit vote du live. Il y a Frings qui boite à Determan. Ouais, mais ça va pas aller. Je peux plus courir, hein, donc ça va. Je crois que j'ai littéralement jamais de faire sprint. Non, ouais. Si, t'en as fait un dans ton background. Mais c'est pas qu'il boite maintenant. Enfin, maintenant, tu peux plus le faire celui-là. Genre, il boite même en marchant. Ouais, il boite maintenant. Ouais. Il boite. Non, il en a fait un aussi pour sauver le futur empereur. Aussi. Oui. Aussi, ouais. Ouais. Bah, maintenant, tu pourras plus sauver le futur empereur en se fêtant. Mais c'est bon, t'as déjà sa bague. Enfin, on a déjà sa bague. On a déjà sa bague. En position de Yeldril. Mais. Ouais. Vous en avez plus court que moi. Heureusement que je suis pas en train de me faire vaporiser par un démon et perdre tout ce que j'ai gagné. Toujours ce bruit incessant. On n'arrive pas à dormir avec ça, c'est sûr. Vous essayez de vous reposer, on est d'accord. Sigmar, vous avez pas une prière? Enfin, Sigmund, excusez-moi. Essaye d'appeler Sigmar. Essaye d'appeler Sigmar et tu verras. Faites-moi tous un jet de résilience, on va dire. Constitution, là. Un jet de sauvegarde de constitution. Parfait. Moi aussi. Je suis encore dans les vapes.
Bon, t'es 11. Déjà dans les vapes. Donc... Non, toi, tu dors, Révout. 11 9 15. Ok. Sigmund, t'es le seul qui arrive pas à fermer un œil. Vous deux, c'est la nuit, je veux dire. Bah, il essaye, hein, mais il se passe pas grand-chose. Il y en a un qui fait un tour de garde, logiquement. Bah, ouais. Il y a le moins besoin de dormir. Toi, t'arrives à te reposer. Donc, ça va. Tu peux récupérer un short rest. Dans ces conditions, je ne vous donne pas un long rest. C'est impossible de récupérer votre vie. Il fait tout noir, maintenant. Sigmund, par contre... tu vas te remettre en question, en fait, sur Sigmar. Parce que... Vous êtes à côté de ce cristal corrompu au possible. Sigmar te répond pas et t'as jamais été autant abandonné en fait. Ta foi entière en lui est là au moment le plus crucial, il répond pas. Il répond pas et c'est pas avec Sigmar que vous allez survivre quoi. Faut quelque chose de plus. Voilà. Donc tu te ressasses une réflexion comme ça, je te laisse imaginer ou dire quelque chose là-dessus. Peut-être qu'avec deux Sigmund, ça irait mieux. Il fait réflexion à la tête, qui traîne, lui. Ouais, alors, ça, si un jour j'ai envie de simuler ma mort, quitter l'ordre, parce que Sigmar, de toute façon, n'est clairement plus présent pour moi, ça va m'être bien utile. On est d'accord, mais là, maintenant, tu veux que je fasse quoi? Je balance la tête, puis, pof, il y a un Sigmund qui apparaît. Ça marche pas comme ça. C'est dans la folie que vous riez quelques... Petit maman de bon cœur. Au moins, ça vous fait un compagnon. Vous pouvez parler avec votre vous du passé, Sigmund. Finalement, ce que vous pouvez faire, c'est être ou ne pas être. Puis on dit que c'est Valoriel qui est le plus con ici. D'accord, Sigmund. Oh, putain, qu'est-ce que je fais ? On m'a tous vécu des choses. On est plus à ça près. Le matin se pointe, la petite fente de lumière réapparaît. Et il y a maintenant, sur le temps, un peu d'eau ou une certaine quantité d'humidité sur un sol très humide. Il y a peut-être moyen de récupérer un petit peu ce liquide. La couleur, à quoi ça ressemble et le goût, rien du tout. Enfin, vous goûtez. Ça va, j'ai l'habitude. Hein. Je creuse un trou, comme ça fait une dépression. Ça fait que ça, tout l'eau accumule à un endroit et au moins on a un endroit pour boire. Ok. Vous buvez ? Qui boit ? Valoriel se réveille. Je travaille. Quand même. Oui, bah lui, il dort. Il essaie de dormir, donc il fait autre chose. Il me reste à quel point plus de bras ? Genre là ou genre là ? Non, genre là. Genre là. Genre là. D'accord. Et puis ma manche, par contre, elle est vide, du coup. Ouais. D'accord. Même pas un moignon. Non. Même pas un moignon. On peut même pas vous mettre un crochet. Si, mais ça serait ridicule. Pas trop long, le cri quand même. Vous vous réveillez tous bien comme il faut, hein. Un Valoriel qui hurle, alerte, alerte. Valoriel, qu'est-ce qu'il y a? Il fait comme ça avec ma manche. Ouais, vous avez plus le bras, eh. Comment ça, Mais vous avez vu ce que vous avez fait, enfin ce qu'on a fait. Oui, ce qu'on a fait. Vous attendiez à quoi? On est tous fautifs dans cette histoire. Vous attendez que le démon majeur il nous fasse un petit machage comme ça, en mode, vous savez, il y a tout qui va bien se passer. Bah non. Fais-moi vous avez dit démon. Fais-moi un jet de sagesse. Ah oui. Non, mais non, c'est... Je veux dire, on... C'est fichu. Je lui fonce dessus. Ok. Non, bah tu fonces pas. Non, mais bah, tu fonces dans la barricade. Ah, mais il sait pas où... Il se souvient du démon majeur. D'accord, mais il sait où est la barricade, sachant qu'il était dans la... Oui, lui, il voit, dans la nuit. Oui. Il voit le petit... Bon, bah, je fonce dans la barricade, puis avec un il commence à gratter. Ok, flèche de ronce. Fuck this shit. Non, mais c'est très RP, hein. C'est très RP, non, parce que là, vous en pouvez plus les uns des autres, donc vas-y, planche-la. Non, mais maintenant, on sait qu'il ne faut plus prononcer démon. Ah bon, oui. Je ne savais pas. Oui. J'ai toujours avantage. Oui, non. La brume de haine et de rage et de colère est toujours en vous. Heureusement. Ça va, 20. 20 ? Oui, 20 de toucher. Donc ça passe, on est d'accord. Et puis, on va espérer ne pas trop te faire de dégâts. Hein ? Ah, il va prendre Brigitte, hein. Non, mais il crève encore une fois, hein. Donc, on va tous 12 crever. Dégâts, comme ça, juste avec la flèche. 12 Oui, 12. Okay. Plus, 2d6, plus 4 dégâts de poison. Les seules constantes dans ce monde restent quand même le chaos, la souffrance et la mort.
Ouais. Même les dieux nous ont abandonnés. Nous reste plus. Hop. Donc voilà. Tu es en rond si tu essaies de bouger. 12, 4 et puis. Ah, c'est tout. 12 et 4. Ah, ok, d'accord. Pardon, oui. 12 pour la flèche et 4 dégâts de poison. Du coup. Quoi, tu demandes une baffe encore? Vas-y, je te la donne. Du coup, Parce que la douleur le fait revenir à ses esprits. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Non, je pense pas, mais on sait jamais. Si, si. Mmh. Si, si. Par contre, t'as une flèche plantée entre les épaules et t'as des ronces qui couvrent ton corps. D'accord. Voilà. Vas-y, qu'est-ce que tu fais? Je m'arrête. Je reprends mes esprits déjà. Et je hurle de nouveau. Pour les spectateurs, j'ai pas trop hurlé non plus. Mais du coup, Valoriel hurle. Et bah, il bouge plus trop. Voilà. Ok. Voilà. Ça dure combien de temps votre... Mon cher Valoriel, cette barricade, c'est ce qui nous garde de la mort, donc on n'attaque pas la barricade. Je sais que vous l'avez pas fait exprès, mais il fallait que vous arrêtiez. On ne prononce plus le D-word. Enfin... oui. Le mot D. Oui. C'est pas tout à fait le même, mais pour Valoriel, on aurait pu croire. Mais donc, oui, il se trouverait qu'il y a certains mots auxquels vous êtes sensible, donc on va éviter de les dire. Sigmund, veuillez regarder votre natale, s'il vous plaît. Voilà. Donc vous trois... Mais tu veux parler, hein. Non, mais Valoriel ne dit rien. Okay. C'est peut-être une bonne idée de lui retirer les ronces, quand même. Parce que... Mais je sais pas le faire. Ah bah, tu vas à la machette. À la main. Ah, faut lui retirer, ok. Hein. Je vais essayer de voir si ma plante, enfin, j'arrive à, genre, on sait jamais, voir qu'est-ce que je peux faire entre moi, ma plante et les ronces qu'il y a sur Valoriel, on sait jamais. Fais-moi un jet de nature, avec avantage. Oui. Quoi? Qu'est-ce qui t'a fait, Sigmund? Ouais, alors 10. Que je reconnais quand même. Ah, tu l'as déjà entendu une fois. Ouais. Bon, plus d'une fois. Ouais. Non, mais tu vois. 10. Ouais, ouais. Tu prends le contrôle de tes ronces et t'arrives à genre les décourber de Valoriel pour pouvoir lui retirer gentiment la flèche avec les ronces. Ah, nice. Ah, c'est gentil. Je regarde autour de nous, enfin, du mieux que je puisse, vu qu'il fait tout noir. Est-ce que je vois un petit œil verdâtre luire au plein milieu de nulle part? Non. Non. voilà. Valoriel, du coup, bah, il va s'asseoir et il dit plus rien. Et il a le regard un peu vitreux. Vous voyez, vous voulez dire que vous avez enfin trouvé une façon de faire en sorte qu'il se taise. C'est ah pas oui, mal, hein. Et tu lances une potion de soin aussi. Ok, tu jettes une potion de soin au pied. Tu la prends ou pas? Non. Ok. Franks, qu'est-ce que tu fais? Je roule par terre comme ça, je regarde même pas, je suis juste comme ça. Je peux rien faire, là. Non, ça va. Tu peux discuter, tu peux être dans ton coin en train de ruminer, tu peux essayer de dormir. Je vais récupérer ma potion de soin. Fais donc. Je peux pas, mais je vais déprimer tout le monde. D'accord. Oui, que je fasse quoi? Lui, il a perdu sa connexion avec son dieu. Lui, il a perdu son bras. Et le seul qui s'en sort à peu près et qui sait faire des choses, c'est Yaldril. Et moi non plus, j'ai réussi à rien faire. Yaldril a aussi réalisé que, genre, il a marqué sa plante au fer rouge. Genre, il l'a vraiment réalisé. Ouais, ouais. C'était peut-être pas la meilleure solution si vous voulez être gentil, enfin, ami-ami avec la plante, mais bon. Ah, je suis sûr et certain, elle te kiffe pas trop. D'ailleurs, après cette action, tu sens un frémissement dans ton corps. T'as réussi à contrôler une plante. Tu sais que c'est une vieille technique, hein, des elfes. Ils sont capables de communiquer, en fait, et de chanter aux plantes pour qu'elles se déplacent. Mais là, comme ça, activement, toi, tu l'avais encore jamais fait. Mm-hmm. C'est particulier. Mais c'est un peu serré au niveau de ton cou. Tu te souviens, il y avait des sortes de ronds. Bah, là, elles sont fermées autour de ton cou, là. Voilà. Ouais, la nuit, quand t'as dormi, t'as pas trop fait gaffe. Mais c'est vrai que c'est vachement serré, là. J'ai pas dormi, hein. Les elfes, on dort pas. Si, t'as pris un short rest. T'as fait une petite mais heure. Mais c'est une demi-tour de ça ouais. Reste un moment où il ne faisait rien. Mmh. D'accord. Totalement. Un repos. D'une manière ou d'une autre, tu dois te reposer. Voilà, maintenant, vous avez tous fait un jet de constitution. Vous avez soif, hein.
J'avais sacrément soif. Ah oui, c'est qu'on était à la base, on était parti sur l'eau de qui c'est qui en buvait. Et après, on a eu autre chose. Ouais. Mais on accorde l'eau dans des bouteilles. Ou pas. Quelle bouteille? Vous deux, vous n'en avez plus. Quel drill est, Et la rare que vous l'avez, que vous aviez, vous avez très bon déjà consommé. 13. 21. Ok. Non, moi j'y touche pas. Tu touches pas? J'y vais, hein. Toi, t'y touches? Ah, moi, alors, j'ai peut-être réussi mon jet ou pas, mais alors, je ne touche pas. Ok. 15. Mais tu bois? Ouais, c'est trop moi, je vous ai... Attendez, moi, je vous ai demandé un jet de constitution. Sans boire, hein, juste de base. Okay. Ouais. Ah, okay. Tous? Ouais, tous. Vous l'avez tous réussi. Vous maintenez... Non, je ne l'ai pas fait. 1. 12 constitution? Ouais. Donc 13. Okay. Vous tenez le coup. Vous n'avez pas encore suffisamment soif. Okay. Donc personne ne boit pour l'instant. Toi, t'es dans ton coin. Je ressens pas la soif. Je suis plutôt concentré par le conflit interne. Interne, ça marche. Toi, Yeldrid, tu te demandes si t'as envie de faire quelque chose en particulier ou je continue à t'étrangler, hein. Gentiment, sur le temps. Tu vois ce qui se passe à un humain quand tu es à côté de Tchernobyl? Genre, tu pompes les radiations comme jamais. Bah là, t'es allé à tout péter 5 mètres d'un cristal qui... Je peux essayer d'enlever les ronces qui sont autour de mon cou, en tout cas de les desserrer. Je peux essayer, j'ai aucune condition, mais je peux... Physiquement ou mentalement, t'essayes? Je crois que j'ai tué les... Faut dire que c'est un peu la déchéance. Yeldrill et son joueur, il passe son tour. Ok. C'est dans la dépression que les heures deviennent infiniment longues. À force de rien dire, vous entrez dans une sorte de catatonie, une léthargie. Et justement, moi je passe tout ce temps-là, j'ai rien d'autre qu'à faire que communiquer avec ma plante. Ah, ok, je me suis mal compris. Ok. Enfin, je l'ai pas dit clairement, mais si on a du long moment, au final... Vas-y, alors tu vas pouvoir m'enchaîner des jets de nature. La difficulté, elle est à 22. Ah, j'ai deux chances de le faire. Vas-y. Non. Ok. 18. Les 20 naturels suffiront pas, hein, si jamais. Enfin, dans le sens, ça fait pas un effet critique. Non, mais... Faut vraiment que t'as tellement de... C'est pas un truc spécial. Non. 20, on s'approche. On s'approche. Donc le temps passe, et lui, il essaie de communiquer avec sa plante. J'en ai droit à combien? Si. Un par heure. Ouais, donc le temps, il avance, il avance. Bon. On n'a toujours pas de lumière, je suis toujours en train de sentir la pression s'accumuler. Le chaos. Maintenant, vous commencez à bien tous le ressentir. Vous êtes collés à cette pierre depuis un moment. Le chaos. Franchement, être gentil, la loyauté, la gentillesse, les proches valiers, qu'est-ce que vous en avez à péter, hein. Le chaos. Sylvain est toujours pas là. Putain, qu'est-ce que je fous avec son livre de prière déjà? De toute façon, je peux les réciter, c'est... Ah bah voilà, quoi. C'est bon. T'as réussi une fois? Naturel plus 3, donc 23. Super. C'est au beau milieu de la nuit que Yadri t'arrive enfin à faire communication avec ta plante. Qu'est-ce que tu lui demandes? Vous deux, vous trois, j'imagine que vous êtes dans cet état où vous sortez pas trop, vous buvez pas, vous mangez, enfin vous n'aimez pas de manger. On réserve nos forces de toute façon. Ouais. Je lui demande qu'est-ce qu'elle veut. Du sang. Ok. Après, on s'entend, hein, la plante, elle est partiellement corrompue. Tu peux peut-être la traiter, tu peux. Enfin, tu vois, t'es pas obligé juste d'écouter en mode. C'est ça. Hein. Communiquer avec elle, c'est quoi ce... Ouais, c'est la première fois que tu peux communiquer avec. Elle a poussé. As-tu un nom? Nous sommes. C'est tout. D'accord. Quels sont tes derniers souvenirs?
Ça peut être il y a 5 minutes, hein, si elle a des souvenirs d'il y a 5 minutes. Le souvenir de la plante. Genre, est-ce qu'elle a des souvenirs? Ton sang. Le goût de ton sang. Mon dernier souvenir. Chaque fois que tu réponds, c'est une heure de réflexion. La nuit avance. Est-ce que tu peux desserrer mon cou? Peut-être. Ok. Et venir au poignet plutôt? Peut-être. En tout cas, elle te répond, c'est déjà ça. Oui, c'est déjà ça. La première fois qu'il fait contact avec sa plante, hein, de tout ce, c'est son arc narratif. C'est un progrès. En effet. Disons que si j'avais su que je pouvais faire ça à chaque heure de sommeil, très clairement, ça fait longtemps que je l'aurais fait. Mais bon. Bah, tu le savais pas, en fait. Jusqu'à là, elle parlait pas, hein. Ouais, mais... Mais donc, je crois que genre, je commence à bien fatiguer parce que pour une première fois, genre discuter pendant 5-6 heures avec, c'est déjà bien compliqué, on va s'arrêter là. Donc tu t'arrêtes. Tu respires. Vous me faites tous un jet de constitution. Sauvegarde. Avec des avantages. Des avantages. Ouais. Un. Oui. Oula. On est reparti dans les échecs critiques. 15. 9. C'est bon, c'est triste, j'ai fait que 24. Avec un désavantage, ça fait 24. J'avais fait 17 et 20. J'ai un bonus de plus 7. Oh putain. Ouais, mais t'es à côté d'eux, donc tu leur donnes tous un bonus de plus 3 oui, ou pas? Oui, oui, ah. Je suis conscient. Donc j'ai toujours mon aura. Du coup, techniquement, ce serait... 18. Techniquement, ce serait 3 alors? Non. Ah, mais un échec critique reste un échec critique. Ah, oui, voilà. C'est un plus 2 ou un plus 3? Un plus 3. Donc tu passes à 12. Tu craques. Tu craques. Vous avez soif. Vous avez horriblement soif. Ouais. On va voir. Vous allez pour la goutte d'eau. Hein. Vous buvez. Ouais, c'est pas de l'eau. D'ailleurs, si vous pouviez voir les couleurs, en fait, vous êtes couché pas dans de la terre humide d'eau, mais de sang. Hein. Alors que ça fait, c'est un festival de cadavres depuis un moment au-dessus de l'étage, sur l'étage du dessus. Mais toi, je veux bien que tu arrêtes de boire, mais toi, tu bois. Tu bois, et tu pâlis. Moi, je me rends compte de ce que je bois ou pas? Ouais. Ok, mais ce qui fait que j'essaie de traîner... T'essaies de l'arrêter? Ouais. Ok. Assomme-le, enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de le choper par le col et de le retirer en arrière. Ok, tu le chopes par le col, tu tires, qu'est-ce que tu fais, Valoria? Rien. Ok, t'es catatonique. Oui, il te retire, t'as bu. T'es passablement blanc. Tu le tires loin. Vous vous remettez dans un coin. Mm-hmm. Y a personne qui parle à personne. Les gars, c'est toujours là. On peut rien se dire. On peut poser. Désespéré de nos situations. Ah si si. Les gars, vous êtes toujours là. Ouais. Allez vous faire foutre. Excuse-moi, esprit qui parle, mais. À ce niveau-là, il n'y a quasiment plus d'espoir, il n'y a plus rien. Alors, si Sigmar n'est plus le chaos, là, c'est mort. Non, non, mais Gulu, Sigmar n'est plus là pour moi, c'est bon. Je suis là pour t'aider. Par contre, si j'ai quand même une voix qui continue d'insister dans ma tête, et peut-être qu'il n'a pas si tort au final. C'est toujours combattre le chaos. Le chaos est toujours quelque chose de répressible, de maléfique. Ouais. Mais donc si on me permet d'avoir la force de combattre ce chaos, est-ce que c'est vraiment si mal? Ok. On est au début du troisième jour, non? Si je me trompe pas. C'est à toi de voir. On a fait deux jets. Il me semble qu'on est dans le deuxième là. Ouais, vous avez fait deux nuits. Ah bah alors bon, là vous venez de faire une nuit avec Yeldrin. C'est okay. Pour ça que je vous ai fait faire un jet. D'accord. Du troisième. Ok. D'accord. Donc c'est parti mes cocos, c'est parti. Un petit peu de RP. Catatonique pour certains, blessé pour d'autres, fatigué mentalement, abandonné aux yeux de ses dieux.
vos chaînes se mettent à vibrer. Une sensation vous parcourt. Vous lisez d'où vient cette vibration. Et petit à petit, vous tournez la tête vers Sigmund. Sigmund le preux, Sigmund le pieux, Sigmund le juste, Sigmund toujours à vous empêcher à faire vos conneries. Son regard change. Ce n'est pas le Sigmund de la folie de « Oui, j'aime le chaos ». Ce n'est pas le Sigmund souriant qui essayait de vous faire des câlins et de vous monter le moral et d'abandonner le fait que l'architecture elfique dans un prêtre, dans un temple de Sigmar, enfin, dans une crypte de Sigmar qu'il a pillé, c'est normal. Une voix rigole, retentit dans vos oreilles. Vous tournez la tête sur votre droite et vous voyez un œil briller, vert, pulser. Vos cœurs s'accélèrent. Votre battement cardiaque, votre cœur se contracte de plus en plus, comme si quelque chose avait attrapé votre cœur. Une étreinte. Sigmund, tu vois ce regard. Et tu sais ce qu'il faut te dire. Ce qu'il faut que tu dises. Mais avant que ça arrive, la sensation. Quelque chose arrive. Quelque chose est proche. Un espoir. Ce qu'on vous avait promis. C'est là. Ça arrive. C'est quelque chose qui sort de la bouche de Gulu. Un livre tombe sur le sol, roule, les pages s'ouvrent. Vous voyez vos noms, écrits en rouge en sang. Celui de Sigmund n'est plus à la même page. Qui prend le livre? Tu prends le livre. Je vois rien. Ouais, tu... plutôt moi, peut-être. Ouais, c'est vrai, tu vois rien. Tu prends le livre. Tu feuilles. À une main. Tu... Je l'aide. Tu... Essaye, tu regardes, Gulu vous regarde, ne dit rien. Petit à petit, vous finissez par retomber sur le nom de Sigmund, juste en dessous d'un autre. Le nom de Sigmund pulse de sang, et celui d'au-dessus coule, un flot de sang comme vous en avez jamais vu, c'est le temps de ce livre. Le nom, Caleb, le premier maudit. Et instinctivement, vous savez, il vous faut sortir. Il vous faut sortir, qu'est-ce que vous faites ? On sort. Dans le sens où il nous faut sortir, on a envie de sortir ou vous avez envie de sortir? Il faut qu'on sorte parce que là, c'est la merde. Non, non, vous avez envie de sortir. On sort. Allez. Ok. Bon, let's go, on défonce cette barricade. Je ferme le bouquin. Tu fermes le puis bouquin. Puis je le prends avec moi. Tu le prends avec. Non, ta seule main. Ta magie refonctionne. À force de sommeil et de catatonie, ça a fini par revenir. Par contre, Valorian ne parle toujours pas. On est d'accord. Vous... Retirez cette barricade, vous sortez. La lumière du soleil est aveuglante. Vous faites un pas dehors, deux pas dehors, et le démon majeur vous toise de son regard, lui qui cognait toujours. Vous l'avez carrément oublié. Il était ainsi insignifiant. Il vous regarde. Il lève son bras. Et vous savez que le coup va vous tuer. Et pourtant, vous restez face à lui. Certain de ce qui va se passer. Et au milieu de son cou, il s'arrête et se retourne. Le camp est couvert de sang. Il pleut encore du sang, encore et encore, autour de vous. Ce n'est pas une pluie normale. Des éclairs noirs continuent à tomber autour de vous. Mais tout ceci vous paraît normal. Et un froid, une lassitude vous prend aux tripes. Quelque chose que vous n'avez jamais vu, jamais vécu. Un sentiment assez proche de celui quand Heinrich Borst était passé, mais beaucoup plus fort. Et vous regardez à l'ouest. Un cavalier seul arrive sur sa monture. Sur son bouclier, une tête de mort, mi-blanche, mi-noire. Le visage extrêmement pâle. Son armure est clairement chaotique. Et de sa main, il tient une hache. Une hache très proche d'une faux. Il est difficile de distinguer la différence. Parfois c'est l'un, parfois c'est l'autre. Et il avance, pas à pas. Le camp est silencieux. Il y a des cadavres d'hommes bêtes absolument partout. Les seules choses encore en vie, ce sont les chiens du chaos, qui eux maintenant sont complètement rouges. Vous les aviez vus passer, vous avez entendu autrefois. Maintenant ils sont rouges, ils sont attribués à Khorne. Il le voit arriver, hein. Il recule. Il recule et le buveur de sang
n'ose pas encore attaquer. Vous voyez cette scène, assez invraisemblable. Et on va faire le troisième vote, enfin le vote pour le live, sur Caleb Dark, le premier maudit. Qu'est-ce que vous faites ? Caleb, le premier maudit ? Le premier maudit. J'ose pas bouger ! On a toujours nos chaînes ? Vous avez toujours vos chaînes. Techniquement, est-ce que le fait d'avoir le démon quand même fait des tours à Baloriel ? Ou pas cette fois ? Même pas. Okay. Même pas. Ce que tu vois, c'est un spectacle incroyable. Malgré ton mutisme. Caleb. Qu'est-ce qu'on fait ? On sait même pas si on a encore notre esprit, en fait. Est-ce qu'on a encore notre esprit ? Pourquoi on a eu envie de sortir ? Pour voir ce qui allait arriver. Valoriel marche en direction du cavalier. Ok, tu marches. Donc, il y a le buveur de sang, vous deux. Hein. Ah oui, il marche, ouais. Quitte à aller entre les jambes du buveur de sang. Avant qu'il se rapproche, Caleb, et regarde qui. Son attention est portée sur quoi, exactement ? Pas sur le buveur de sang. Pas sur vous. Gulu. Ah, alors si c'est Gulu, d'accord. Ouais, c'est, du coup, j'essaye de voir qu'est-ce qu'il regarde, surtout. Il regarde Gulu. Ouais. Donc, il s'approche. Valoriel passe, quitte à passer entre les jambes du buveur de sang, il passe. Ok. Ouais, tu peux pas avancer plus de 20 mètres, mais d'accord. Il commence à avancer, il marche lentement. Ah oui, non, mais pardon. Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes un de ces autres qui suivent... Il est pas encore trop loin pour ça ? Ouais, je sais pas, en fait. Est-ce que si... Il est encore bien loin. D'accord, il arrive. Donc, j'attends qu'il se rapproche. Okay. Il s'approche. Toi, tu vas... Je marche dans sa direction. Tu passes à côté du buveur de sang. Le buveur de sang est extrêmement concentré. Tu n'existes plus. Rien n'existe autour de vous, autre que cette personne qui arrive. C'est ça la tension qu'il y a. Tu es maintenant devant le buveur de sang. Tu arrives vers Caleb. Je le regarde. Ok. Il se retourne, il penche son regard vers toi. Caleb a les cheveux blancs, le teint extrêmement blafard. Plus blafard qu'un elfe noir. Il est pâle. Les yeux creusés, le visage fatigué. C'est quelque chose que vous avez déjà vu. Faites-moi tous un jet d'histoire. Fais-moi un jet d'histoire. Mais excuse, parce qu'il est le seul à le regarder. De on va déterminer une race ou même pas ? C'est un humain. 15. Les morts du tout début, ceux que vous avez croisés, qui étaient morts en cercle autour de l'endroit d'où vous étiez sortis, ce puits à Mordheim, ils avaient cette même chose, ils étaient pâles, ils avaient l'air fatigués. Eux, ils étaient morts, lui pas. Bah surtout, en plus de ça, c'est lui l'image qu'on avait en tête à notre réveil. Non. Ah, c'est pas lui. Mais le bouclier, par contre, noir et blanc et tout ça. Ok. Du coup, je continue à regarder. Je lui donne le bouquin que j'avais dans la main. Tu lui donnes le livre. Je le tends comme ça. Il le prend. Il regarde le grand démon. Il l'ignore une seconde. Il ouvre la première page. Il voit son nom. Il sourit pas. Il voit le nom de Sigmund. Il voit le nom d'Heinrich Bors. Il voit le nom de Krag, le massacreur. Il continue à tourner les pages, plus loin. Il finit par tomber sur vos trois noms. Il vous regarde. Valorian. C'est bien ça. Il ferme le livre. Amène-moi à Sigmund. Valorian se retourne. Il part chercher Sigmund. Ok. Tu pars chercher, tu l'amènes pas. Ouais, tu vas chercher Sigmund à pied. Ok. Ouais, il parle pas de Valorian. Okay. Il dit rien du tout. Tu vois Valoriel qui revient. C'est tout, genre, c'est très intense comme moment. T'as l'impression que si tu fais un pas de travers, ça va tout dégénérer. Valoriel, du coup, arrive devant Sigmund. Oui. Je suis désolé. Magnifique vote du live, je vous aime. Un pas de danse. Ah, tu vois donc presque l'air squelettique de Valoriel qui est aussi très très pâle. Et il a juste sa main comme ça. Oui, qu'est-ce que tu veux ? Et je vais.
Ok. Vous avancez, pas à pas. Le démon majeur a presque l'air de trembler au niveau de sa main. Vous n'êtes pas bien sûr. Bon, on suit, hein. Si ils y vont, autant suivre. Vous avancez. Glu est derrière toi, Sigmund. Il te suit, il te lâche presque à l'oreille. Il te suit, il attend juste les mots. Il les attend juste. Attends, le démon majeur ? Non. Glu. Vous arrivez tous au niveau de Caleb. Vous remarquez d'ailleurs, sa monture, c'est pas une monture commune. Ça a l'air d'être une créature démoniaque, d'une manière ou d'une autre. Pourtant, elle vous inspire ni haine, ni rien. Non, c'est que maintenant qu'on remarque les huit jambes que a le cheval. C'est ouais, ça c'est un peu ça. Ouais. Je crois que c'est squelettique. C'était un peu loin. Hein, ils vous regardent tous. Tu fais partie de ceux qui suivent Malan aussi. Merde. Je me rappelle comment il s'appelle ce con. Il y en a eu beaucoup dans l'histoire des cons, je sais pas. Le seul qui est devant nous là. Celui qui est devant Caleb. Caleb. Je regarde Caleb, je lui demande si il en a besoin en pointant le truc derrière. Le démon majeur. Non. Besoin. Je peux lui tirer une flèche dans la gueule. On va y arriver. Ok. Regarde. Dis-le. Je suis fatigué. C'est bon. Ça va. Sigmar n'est plus là. Pour moi, c'est... Je vais dévouer mes forces pour combattre le chaos, mais non plus pour l'humanité, non plus pour tous les autres, tous ces pays, mais avec l'aide de Gulu et de Malal. Hop, donnez-moi deux secondes. Je cherche juste un morceau d'information que j'ai posé quelque part. C'est le moment où fallait dire quelque chose ou se faire à jamais, c'est ça hein? Ouais, c'est un peu ça. Lui, Steph, toi. Ah, mais il a fini notre dilemme, c'est trop tard. Oui, non, mais je voulais juste savoir si. Si vous réagissez face à ça. Je sais pas, on sait qui c'est malade. Le dieu maudit, si tu le préfères, je vais utiliser ce terme. Et là, ce qui se réalignait pas dans ton cerveau finit par finalement se réaligner. Et cette phrase, tu la réentends. Seul, se servant, ceux qu'ils détestent, se riant à leur propre malheur et n'ayant plus aucune compassion, ce n'est pour les damnés. Alors, tu veux que je le répète entièrement ? Non, c'est en de tels temps. Quand un guerrier tourne son cœur vers Malal, tous les dieux du chaos tombent dans la crainte et le rire du dieu banni emplit sa tombe. Quel espace. Caleb te redonne le livre. Fait craquer ses articulations, son dos. Il regarde le démon majeur et il fait ensemble. Il descend de son cheval. Il se met en posture de combat. Il vous regarde tous avec intensité. Bah, je dégaine. Tu dégaines. Je tremble. Hein. Ouais. Alors, mentalement, c'est vrai que toi, le beau Franks, tu dois être le seul. Voilà. C'est lui avec sa plante et la corruption qu'il a vécue. Lui avec. Enfin, lui, c'est un PTSD ce qu'il est en train de développer. Voilà. Et Sigmund. La lumière qui était Sigmar, si elle était là, disparaît. Les chaînes à tes poignets disparaissent. Ton teint tourne gentiment au blafard. Et tu as l'impression d'être constamment aspiré vers quelque chose. Une partie de toi, comme si on essayait de te manger. Et à la fois, tu te sens
investi d'une puissance, comme si tu méritais récompense. Et récompense tu as. Et c'est là qu'on va finir cet épisode. Face au grand buveur de sang, vous allez vous apprêter à lui péter sa gueule. Et c'est la fin de cette saison, de cet épisode. Ta 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 ta. Il n'y a que lui qui a plus de chaînes. Ouais. Nous, on a toujours. Oui. Oui, parce qu'on n'est toujours pas totalement corrompu. Voilà. Putain. Voilà. Putain. Quel mot de la fin ? Un mot de la fin. Allez tous vous faire foutre. Non, ça c'était les miens. Mais moi, je remets des chaînes physiques et Sigmund. Hein. Ah bah, tu les remettras après. Essaye. Clairement, essaye toujours. Ça veut pas dire que tu vas devenir aussi fort que Caleb, hein, on s'entend, mais... Non, 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 je m'y attends pas. Je sais même pas à quel point il est fort, Caleb. Ah bah, tu vas voir. Mais ça fait longtemps qu'il est là, qu'il est vivant, donc je pense que c'est pas mal. Pour le live, on reste là, hein, juste après le générique, on discute de cet axe dégénéré que vous avez choisi, qui, j'espère que ça vous a plu, parce que là, c'était la déchéance absolue. Pour YouTube, on vous fait des bisous, hein, la semaine prochaine, vous aurez la suite. Est-ce qu'ils gagneront? Est-ce qu'ils vont se faire défoncer par le grand buveur de sang? On ne sait jamais. Allons-nous réussir à dévier, à défier ouais. à des... Je sais plus, les plans machiavéliques du MJ, on verra. À la semaine prochaine.